Hello, Night City! À notre grand loto des meurtres, les cadavres se montaient à 30 piles hier, 10 rien qu'à Heywood, grâce à notre fabuleuse guerre des gangs! On compte aussi un policier, alors gaffe à vos culs, parce que le NCPD va pas laisser passer ça! Nouvelle coupure de courant à Santo Domingo, encore des nettes d'honneur occupés à trouer le réseau électrique! Tandis que dans les rues de Westbrook, la Trauma Team décolle les victimes des cyberpsychos de la chaussée! Et à Pacifica! Eh bien, Pacifica reste Pacifica! C'était votre ami Stan! Restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rêves!
Et comme promis, on repart sur Phantom Liberty. Pas encore. Sur la run Cyberpunk. Bon, j'apprécie beaucoup, beaucoup la mise à jour que je vous conseille maintenant de faire, même si les quêtes de Fister ont une structure un peu bizarre, je trouve. On a plein de jeux à faire là. C'est une horreur. Voilà, voilà. Allez, on continue. Salut à tous, bienvenue pour le Flash. Faudrait qu'on arrive au moins avant le début de la quête principale. Quand la lumière s'éteint, moi. Ce serait super cool. Ah ouais, Là, cette fois-ci, j'ai configuré mon clavier en anglais. Je vais finir par acheter un clavier. Parti. On avait fini la quête de madame. On a un message. 4 selles. Salut, j'ai coordonné les premières courses. Ok, bien reçu. On va faire sa course. On va faire la course de Claire. Je cherche mes touches. C'est bon, c'est reparti. La moto de Jackie. Qui est déjà là. Incroyable. L'eau elle est contaminée, mais alors le nombre de sacs poubelles aussi qu'il y a dans la flotte. C'est très 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 crade ici. Je me rappelle pas que la carte était si grande. Réveiller là, de faire des courses là. Attention. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a quelques bugs encore. Ils sont assez marrants. Non, mais là c'est assez flagrant. Mais bon, sur un jeu aussi grand, c'est pas. Par rapport au début, ouais, mais c'est pas ça que je veux. C'est ça, hein? Non, c'est ça. Donc on n'est pas du tout au bon endroit. Je crois qu'elle avait la date du... Je crois que c'était bon, on avait la course. Terminer la course de qualification. Ok, elle est où? Nice City, et tout le monde est passé au garage. Passe à son garage, je les aurais trouvé là. Où est son garage? Ah, c'est ça là. Tac. Ok, est-ce qu'ils ont fait deux courses, deux trucs indépendants? Ok. Je vais prendre l'onglet à côté.
rien qui va me bénir. Claire, tu viens? Je suis déjà sur place. Super, je me dépêche, promis. Ça roule, à tout de suite. Attends, quelle caisse on utilise? Allez, on peut la tienne. Ok. Piste est prête à rugir. J'arrive, à tout de suite. J'ai misé un paquet sur notre victoire. Bon, monsieur. Alors pas question qu'on perde, ok? Ça me sert, regarde, la mienne. De la chair fraîche. Ce serait la honte de perdre contre un Roman Square. On voilà. Est chez nous ici, après tout. Va se foutre en l'air au premier virage. Salut, V. Contente de te voir. Alors, t'en penses quoi? Je te dirai ça quand on aura franchi la ligne d'arrivée. Si on arrive en un seul morceau. Hé, hey, concentre-toi sur la victoire. Ouais, je peux mettre le pied au plancher. Hé hey oh, t'es toujours en vie? Les flics de Night City disent rien? Ils voient plus les problèmes quand on leur met un gros sac d'édits sous les yeux. L'argent résout tous les problèmes, pas vrai? Mm-hmm. Les accidents mortels sont pas punis dans ces courses? Les flics s'en foutent des morts. Ils font passer les données dans leur rapport d'accident. Une balle dans le crâne, ça peut passer comme accident de la route? Ça dépend dans quelle rue. Il n'est pas amélioré. Bien, bravo. Des conseils avant qu'on commence? Garde ton pied sur l'accélérateur. Mon boulot, c'est de ralentir les autres. C'est la vitesse qui nous fera gagner, pas la puissance de feu. Pied au plancher, compris. Oh, prends cet éclat. Il sert à quoi? Il t'indiquera l'itinéraire. Tu conduirais à l'aveugle, sinon. On doit passer tous les points de contrôle. Sinon, on sera disqualifié. Tu peux rester là, si tu veux. Je vais dans la caisse. Ça commence quand? Insère l'éclat, tout est dessus. Et on ne sait pas me donner grand chose, je connais pas le nom des rues, moi. Sauvegarde. On aurait dû prendre ma caisse quand même. Je vais pas sauvegarder pour l'instant. Ah. Ouais. On aurait dû prendre ma voiture. Ah, je peux pas faire. Ah, t'es con! C'est vrai que je peux pas le faire. Ah non, je peux pas. Pas ça de trop des soucis. Ah, c'est trop bien. Vraiment pas? Je peux pas le faire. Ah, bah, pas mal sa voiture. Elle mange des patates. Hein. C'est là qu'il faut allumer, c'est la première, on s'en fout des autres. Tu parles de bagnole en pleine rue, toi. Carrément la mitrailleuse, quoi. Virage serré devant. Accroche-toi. Attention derrière, on cherche à nous rentrer dedans. J'aimerais bien voir ça. C'est...
de mort. On attend. Oh putain, mes balles. Mais tire pas les mecs de derrière, tire les mecs devant. Allez, dégage. Vous pouvez reprendre votre patrouille. Terminé. En sérieux, vous nous avez perdu? À la fin. Cassez-vous. Moi qui gagne. Eh, c'est moi qui gagne. Allez. Même avec un tank. Quel coup incroyable. On a gagné. On est en première place. T'as l'air surprise. La première place, putain. Je suis pas surprise, c'est juste que... Je sais, c'est la première place. Restons un peu sur la ligne d'arrivée, au cas où. Ça marche. T'as oublié un truc? T'es prêt à causer? Tu participes à ces courses tous les ans? C'est ma 4e fois. La première fois, j'ai gagné. C'est comme une drogue. Je peux plus m'en passer. Tu peux pas ou tu veux pas? Qu'est-ce que ça change? Tu fais ça pour les Eddie? La victoire? La gloire? La voiture est... Pourquoi tu cours? On dirait que... tu vis que pour ça. T'aimes pas gagner, toi? Ça dépend de ce qu'il y a à gagner. Et de l'effort que je dois fournir. Ouais. Le prix est parfois très élevé. T'as dit que t'avais perdu ton dernier pilote? On peut parler d'autre chose? Ouais, bien sûr. Je te dépose au garage? Ouais, carrément. Ok, en route. Quelqu'un a piqué ma moto.
Mettre celle-là. Allez. Je regarde juste un petit paramètre. Ouais, musique. T'as besoin de parler? Ça sera un peu plus long que ça. Tu peux passer au camp? Ah, j'ai un problème. V? T'as un problème et c'est moi que t'appelle? Je croyais que t'avais rejoint ta famille. C'est vrai, mais je me disais que... Bon, j'imagine que ça veut dire que tu comptes pas venir, c'est ça? Ok, j'arrive. Merci, ça fait plaisir à entendre. Tu pourrais m'en dire plus? C'est quoi le souci? Il vaudrait mieux que... Laisse-moi deviner, c'est Saul, c'est ça? Toi, tu me connais par cœur. À tout de suite. Bon, eh ben c'est là. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Salut. Est-ce que ça va bien? J'ai connu mieux. Je sais. Ça saute sûrement aux yeux. Jolie caisse. Elle est neuve? Non. Pas d'humeur à discuter, on dirait. Pas vraiment. Désolé. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'avais besoin de parler à quelqu'un. Hein? Regarde d'abord ça. Bonjour, je suis Harry Fickball, vous regardez WNS News. Aujourd'hui, encore des politiciens morts. Un contrôle routier de routine regarde, a mené le NCPD sur les traces d'un dangereux ravisseur et meurtrier. L'incident s'est produit à l'intersection de la 7e et la 15e avenue. La vidéo a été filmée sur place par la police. 1038, je répète, un 1038. Numéro de plaque 2AA6244. On s'apprête à sortir du véhicule. Bien reçu. Sortez de la voiture! Du calme, monsieur l'agent. Tout va bien. Ferme-la! Oh putain. On a un 1053 et un 1054. Je répète, un 1053 et un 1054. Le garçon sur les images est LeVar Martinez. 17 ans. Ses parents avaient signalé sa disparition il y a un mois. Malheureusement, LeVar n'a pas pu être sauvé. Son corps n'ayant pas supporté le choc septique qu'il a subi. Le rapport d'autopsie a révélé que l'adolescent avait reçu de grosses doses d'hormones, d'anabolisants et de stimulants. Les affaires et les empreintes génétiques de sept autres adolescents portés disparus ont été retrouvées dans la voiture appartenant à un certain Anthony Harris. On ne sait malheureusement pas ce qui leur est arrivé.
Le criminel, plus connu sous le nom de Peter Pan, a survécu à la fusillade. Mais il n'a pas encore repris connaissance et ne peut pas être actuellement interrogé. C'est une vieille affaire. Restez sur M54 News pour suivre l'évolution de cette information. J'avais jamais entendu parler de lui. C'est quoi le problème s'ils l'ont chopé? Mon neveu, Randy, il a disparu il y a pas longtemps. Et sur ce que tu viens de voir, le gamin portait les chaussures de Randy. Oh merde. Oui. Tu sais autre chose? Sur la disparition de Randy? On s'entend pas très bien, ma sœur et moi. Je sais pas grand-chose. Mais j'aurais voulu être là pour elle quand elle avait besoin de moi. Ils se sont dit que t'étais trop impliqué? Ils ont pas voulu te mettre sur l'enquête? Ordonnance restrictive. Interdiction de m'en mêler. L'enquête a été confiée à Gonagall, un vrai branleur. Il a pas avancé d'un pouce depuis. Je refuserais de lâcher l'affaire. Je sais. C'est pour ça que je te demande ton aide. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Impossible d'interroger le type, c'est un légume, mais... on peut regarder ses rêves. Attends, ses rêves? T'as bien entendu. Viens, je t'expliquerai en chemin. C'est une procédure expérimentale, mais elle donne déjà des résultats. Ils enregistrent des rêves qu'on peut revoir comme des DS. T'as accès à ses rêves? Pas encore, mais il les garde dans un labo. C'est là qu'on va. Je suis amer que j'ai le droit de rentrer dans l'espèce de machin là. Le flic il prend tous les passages piétons. Ok. T'as pris un rendez-vous? Pas vraiment. On va entrer ensemble, mais... pas par la grande porte. Ah, on va enfreindre la loi? On va trouver un autre moyen d'entrée et puis se tirer vite fait. Je suis jamais venu ici. Alors je vais avoir besoin de ton aide. Il n'y a personne. Le labo est en plein audit. Alors t'inquiète pas si tu fais du bruit. On va la trouver comment, cette danse sensorielle? Essaie de trouver la pièce où ils éditent les rêves des enfants autistes. Hé, hey, oublie pas. Le vrai nom de Peter Pan, c'est Anthony Harris. Anthony Harris. Qui stocke les DS. C'est sûrement pas là. Là. Fermé, impossible d'entrer.
Sécurité. Un boîtier de DS vide. De lire. Oui, ok, il y en a partout. Fichier toujours le même bordel. Quand même à côté là. Hey River, je crois que j'ai trouvé. T'as trouvé quelque chose? Pas encore. Anthony Harris, regardons dans ces tiroirs. River, pourquoi t'as pas simplement demandé à un gardien de t'ouvrir la porte? Je peux pas risquer de me prendre un blâme pour avoir fourré mon nez dans l'enquête d'un autre. Yawen! Qu'est-ce que tu fais là? T'as été renvoyé de la police! Suspendu, c'est tout. Elle voulait dire quoi, là? Il ne vous a rien dit. Yawen, s'il te plaît, écoute-moi. Tu n'as pas déjà assez de problèmes? Harris a kidnappé mon neveu. J'en suis désolée. Mais nous stockons des preuves ici. Il y a des protocoles très stricts. Des protocoles? C'est la vie de son neveu qui est en jeu. Ouais, la vie d'un enfant. La police a déjà ouvert une enquête.
Partez, s'il te plaît. Allez, tout de suite. Écoutez, vous bossez avec la police, non? Vous les connaissez? Même avec les meilleures analyses, ils se planteront. C'est justement à cause de ce genre de raisonnement que l'anarchie règne en ville. L'anarchie? Ton premier examen à l'école de médecine, tu t'en souviens? Tu sais, celui que t'as réussi haut la main, t'as pas pu l'oublier. Les toilettes des dames ont brûlé. Il a fallu évacuer tout le monde pendant 2 heures. J'en reviens pas, tu me ressortes cette histoire! Je ne veux plus jamais vous revoir ici! Surtout toi! Vous ne le connaissez pas bien, n'est-ce pas? Ce type est une ordure! On est amis, River et moi. On m'a encore jamais laissé tomber. Moi aussi, je nous croyais amis. C'est pour ça que vous refusez de l'aider? La déesse des rêves d'Aris, elle est où? Il ne rêve pas. Comment ça? Une balle a endommagé son cortex cérébral. On ne capte que des fragments, des envies dissonantes. J'aimerais... Et c'est la stimulation audiovisuelle. Mais il n'est pas autiste. Vous pouvez atteindre les enfants avec leurs chansons ou leurs films préférés. Ça vaut le coup d'essayer. Je vois très bien la similitude. La stimulation de l'hypothalamus et la production hormonale. Mais Aris n'est pas un enfant. Je n'ai jamais tenté cette procédure sur un adulte. Il y a une raison à ça? C'est parce que, contrairement à River, j'ai étudié la médecine et les neurosciences. Alors... Je ne me suis pas documenté en lisant par-dessus l'épaule de quelqu'un dans le métro. On peut essayer. Nous ne savons même pas ce qu'il préfère. Je trouverai quelque chose. Ça veut dire que tu veux bien essayer? Allez-vous-en. Je vais vous ouvrir la porte principale. En route, V. Je sais parfaitement par où commencer. J'allais faire quoi là? Ah zut, tout à l'heure j'avais dit que je montrais un truc. Ah oui. Alors, ouais, j'ai fait une connerie, moi. Capacité technique. J'avais dit, il faut que je fasse ça et celui-là. Là et là. Voilà, déverrouiller les deux placements cybernétiques. Avec les flics. Fais juste gaffe à pas devenir son petit chien-chien au final. Quoi? River est un type bien. Bien pour un flic. Les flics sont pas tous des connards. Les rocker boys sont pas tous des trouducs narcissiques. Je sais pas, V, t'as déjà rencontré un rocker boy qui collait pas à cette description? Honnêtement, non.
Allez, dépêche-toi un peu. Oh, que t'es long. Oh, que t'es long. On peut pas avancer en marchant comme ça. Allez. Ok, je t'écoute. On t'a viré de la police alors? Non, suspendu. La mort du maire, c'était une affaire qui puait. L'enquête a été enterrée, alors... J'ai protesté. Pas la peine de te demander comment tu te sens, hein? Non. C'est juste que... J'ai du mal à en parler quand j'ai un souci. Je comprends. Tu peux quand même me dire où on va? Chez Joss, la mère de Randy. Elle croit qu'il a juste fugué. Pour l'instant, on garde cette histoire d'enlèvement entre nous. Tu peux me dire pourquoi on cherche pas plutôt l'appart d'Harris? C'est une maison. Mais je doute qu'ils retiennent ces victimes au sous-sol. Et puis, c'est ce qu'on essaie de faire. Je veux voir s'il y a un lien avec Harris chez Randy. Plutôt mince comme piste. C'est ce qu'on a de mieux pour l'instant. T'as pas peur que Yawen suive les règles? Qu'elle te balance à ses supérieurs? On était amis. Je doute qu'elle fasse ça. Et puis je dis pas que je m'en servirai. Mais je sais quel squelette elle préférerait garder dans son placard. Tu crois qu'Yawen va vraiment nous aider? En y réfléchissant bien? Ouais, on s'engueule, mais ça finit toujours de la même façon. Je te raconterai ça un jour autour d'une bière. Notre priorité actuelle, c'est de retrouver Randy. T'as raison. On va loin, alors, comme ça. Voilà, on y est. Ça faisait un bail. Je venais ici tous les week-ends. Il y a longtemps. Et ça a changé depuis? Les endroits de ce genre changent jamais. J'aime pas trop ce personnage. Fatigué. La façon qu'il marche. Il veut pas. Charmant le quartier. Tu feras pas avant de rentrer? C'est chez ta soeur, pas chez toi. On est vraiment chez lui. River. Soit t'es là pour le boulot, soit t'as du nouveau sur Randy. Tu ramènerais pas ton cul ici autrement. Joss, je te présente V. Alors V, c'est à propos de mon Randy? Non. Joss, je sais pas comment te le dire, mais... Randy... Il a été enlevé. Enlevé? Mais il est en vie, hein? River, dis-le-moi, putain! La police a arrêté le type. Mais il a reçu une balle. Il est dans le coma, sous surveillance. Et Randy, il est où? On le cherche, Joss. Ici? Ça sert à rien de nous disputer. C'est mon fils! Je t'interdis de me dire comment réagir! Joss... Écoutez, il faut qu'on fouille les affaires de Randy. Pourquoi? On trouvera peut-être une piste. Fais-moi confiance, Joss. Essayez de rien casser. Randy déteste qu'on fouille dans ses affaires. Viens, V. Les enfants jouent dehors. Dis-leur que c'est l'heure de manger. À
quoi tu penses? Je crois que c'est mieux qu'elle sache la vérité. Voilà le mobilum. Examine chaque détail, d'accord? Oncle River! Monique, Dorian, bonjour les enfants. C'est ton petit ami? Juste un ami. Alors tu vas rester? On verra. Votre mère vous attend pour dîner. Oh là là, ce qu'il est lent, et puis il marche mal. Aujourd'hui, la police a fumé des cigarettes à la tille. Ok. Je peux pas la prendre. C'est leur ancien mobilhome. Randy s'y est installé quand je leur en ai acheté un nouveau. Un vrai trouard. Comme moi à mes débuts. Fais le tour. Je m'occupe de la poubelle. Il y a un genre de clé, là. Une vraie antiquité. C'est pas vraiment ce qu'on cherche. Ça va. Beaucoup de médocs. Pareil, je suis... Et ça. Vous trouvez un jeu? Il y a un code d'expédition dessus. Tented Overlord. Son groupe préféré. Tu le connais bien. Je lui envoyais un album tous les ans pour son anniversaire. C'est du matos coûteux. Randy avait de quoi se payer ça? Tu plaisantes? Randy aurait jamais pu se payer du matos pareil. Ça coûte bien trop cher. Faut y accéder. Mais personne ne doit connaître le mot de passe. Tu peux le craquer? Bien. Je vais essayer. Ça va pas être dur. Ça a pas été dur. Eureka. Tu peux m'aider à examiner tout ça? Désolé. Ils ont chopé Harris dans un véhicule comme celui-là. Une rue barrée. Merde, River. Je me souviens de ce jour-là. Il vit près d'une vieille école. Merci. C'est-à-dire merci en général. Un sacré sens de l'empathie, ce type, hein? Salut, j'espère. Il a découvert l'identité de Randy. Et il lui a envoyé le jeu en cadeau. Celui que t'as trouvé dans son tiroir? Ouais. Le code d'expédition indique que ce salopard l'a envoyé depuis les Badlands. Encore plein d'attaques, désolé. Ce type a abatté Randy comme un pro. Et il est magnifique au niveau du château d'eau. River, tu vois ce que je vois?
C'est pas possible. Pourquoi il ferait ça? Randy a accepté de le rencontrer. Mais en plus, il était aussi excité qu'un gamin en route pour le parc d'attractions. Putain! Ce malade lui a vraiment retourné le cerveau. Nathalie devait être la seule personne en qui Randy avait confiance. On peut voir la page avec le lien. Ce dessin animé est complètement tordu. Il me fout la chair de poule. Page mentionnée par Randy. Il y a un lien. C'est de ça que Randy parlait. On va le savoir. Une page cachée créée par Anthony Harris. Putain, ça me rend malade. Putain, River, c'est tordu. Ce type s'en prenait aux gamins perturbés. Il ciblait les garçons comme Randy. C'est ma faute. Si j'avais été plus attentif. Rien. Si j'avais pris plus le temps de parler avec lui. Hé, hey, arrête. C'est pas toi le responsable de ça. Il y avait un fichier, là. Il l'a supprimé, on dirait. Mais le nom est toujours là. Ce nom... Ça te rappelle pas le fichier vidéo sur l'ordinateur de Randy? Hé, regarde. Le nom de ce dessin animé correspond au fichier manquant sur la page d'Aris. C'est ce qu'il fallait trouver pour Yawen. V, on a trouvé! Randy a dû le télécharger. Oui, mais tu comprends pas, V. C'est peut-être la clé pour entrer dans l'esprit d'Aris. Espérons-le. Dis, tu pourrais pas en dire autre chose avec un tour de passe-passe de Netrunner? Comment faire? Je peux essayer de localiser l'adresse IP d'Anthony. Et voilà. Désolé, je pourrais pas faire grand-chose de plus. Parfait. Ce dessin animé, River, c'est peut-être ce qu'on cherchait. Tu disais qu'on devait trouver quelque chose qui ferait rêver Harris. Envoie-le à Yawen. Ouais. Je le vois tout de suite. Bon, elle dit qu'elle me recontacte d'ici demain matin.
Et que je suis un vrai salopard. Et... bon, viens. On va manger un morceau. Une pause 5 minutes. On revient tout de suite. Désolé. J'ai les clés. Écoute, Joss est déjà assez inquiète. Inutile d'en rajouter, d'accord? On est sur une piste. On en saura plus demain. C'est tout. Dorian, s'il te plaît. Joss, on a terminé. Vous avez fini? Au lit, alors. On t'en a laissé un peu, oncle River. Merci, Monique. Dites-moi que vous avez quelque chose. J'ai envoyé une preuve au labo. Il y a des chances pour qu'on sache où trouver Randy d'ici l'aube. Depuis quand t'as pas mangé? Hier. Prends ma part, j'ai pas faim. Merci, peut-être plus tard. River, je t'écoute. Sois franc. Vous allez le retrouver? Je peux rien vous promettre, Joss, mais on fera de notre mieux. Vous ferez de votre mieux. Joss, ça te dérange pas si V prend le mobilhome de Randy cette nuit? Non, pas de soucis. Tu restes, hein. Faut que tu m'aides jusqu'à ce que cette histoire soit terminée, d'accord? Bien sûr que je reste. Tu vas retrouver le chemin? Ouais, et je vais me pioter Fissa. C'est bizarre, est-ce que si on a l'adresse IP, pourquoi on n'y va pas directement? V, réveille-toi. Non, j'ai pas fini ma nuit. Yawen a appelé. Le dessin animé, ça a marché. Il rêve. T'as la déesse ?
Ah oui, c'est... Juste là. Insère-la et connecte-toi à l'ordinateur. Je veux la voir sur l'écran. Dans le réveil. C'est une rapide, ta doc. Pas mal. Qu'est-ce qui va pas chez toi, Anthony? Je dois le signaler. J'espère que tu comprends. Ce n'est pas un comportement normal, Anthony. Tu as tué la tortue de Liam. Elle était malade. Elle voulait pas manger. Elle restait dans sa carapace. Je voulais juste l'aider. En lui injectant de l'hormone de croissance? Qu'est-ce qui t'a pris? C'est ton père qui t'a appris ça? Des gens bien t'ont accueilli. Ils t'ont fait confiance. C'est comme ça que tu les remercies. Ton ami est mort. Je comprends. Mais ce n'est pas une excuse. C'est quoi le truc? Ça se mange déjà pas avec une fourchette. Je vous emmerde. Qu'est-ce que tu as dit? Bon, ça suffit. Je vais prévenir le principal. Et ta famille d'accueil. Vraiment. Tel père, tel fils. Je vous interdis de parler de mon père. Ouais, je sais, petit con. La ferme a fait faillite. Ton père s'est tiré une balle dans la tête. Fermez votre putain de gueule! Vous avez pas le droit de parler de mon père, sale connard! Vous avez pas le droit. Elle était malade, faible. Je voulais juste l'aider. Ok, c'est Space. Ça. Il est du jeu. Ça apparaît bien sans être là. Qu'est-ce qui va pas changer? J'en vais. Je quelque chose de tout long. Il y a de la musique là. Qu'est-ce qui va pas chez toi? L'époque où Harris allait à l'école. Je dois le signaler. J'espère que tu comprends. Ce n'est pas un coup. C'est ça que tu les remercies. Ton ami est mort. Je reprends tes prises. Qu'est-ce que tu... Bon, ça suffit. Je vais prévenir le principal. Et ta famille d'accueil. Vraiment. Tel père, tel fils. Je reconnais cette fusillade. On a étudié cette affaire à l'école de police. Je vais regarder dans quelle école c'était. Laguna Bend. Apparemment, toute la ville a été inondée dans les années 50. Bon, on sait au moins dans quel coin vivait Harris. Je crois que j'ai fait le tour. Non, t'as pas fait le tour. Un vieux trophée. De 2042. Première place au tournoi interscolaire de lutte. Penny! Où est-ce que t'es encore passé? Viens ici! J'arrive! Penny, viens ici! Oui, pas. T'as rien oublié? Je t'ai posé une question! Je sais pas. Les niveaux de choline et de méthionine, tu remarques rien? Ils sont trop bas. T'étais censé vérifier avant d'aller à l'école. Quelque chose à dire pour ta défense? Cette vache va mourir à cause de toi. Tu vas la tuer comme t'as tué ta mère. Je suis désolé. Pas la peine de t'excuser. Règle-moi juste ces hormones.
Et éteins-moi ce foutu dessin animé! Combien de fois je vais te dire de pas le laisser tourner comme ça, hein? J'ai passé la moitié de la journée à essayer de couper cette saleté! C'est notre dessin animé. Le petit Tony devait l'adorer. Je crois que j'ai fait le tour. On va jusqu'au bout. Hein. On va partir au début, tout est au début. Tony! Harris a l'air encore plus jeune, là. Tu vois ça? La vache est malade, comme le reste. Où est-ce que t'as encore passé? Viens ici! J'arrive! Impossible de l'identifier. Le père du petit, c'était pas un tendre. Un bioscanner de bétail pour surveiller leurs signes vitaux. Complément dans le fourrage pour protéger le bétail des maladies. J'ai passé la moitié de la journée à essayer de couper cette saleté. Où est-ce que tu vas, Mike? Viens là, petit fripon. Tu vas te blesser. Tony va prendre soin de toi. Du calme.
Je crois que c'est là, B. Il y a des câbles. C'est un souvenir récent. C'est sûrement sa planque. Il y a une horloge. Elle indique 23h. Quelque chose, mais quoi? Carburant. Ça devait être un garage auto ou un truc dans le genre. On dirait que Peter Pan a fait de cette ferme une véritable forteresse. Et j'ai... Bordel! Ils traitent les garçons enlevés comme du bétail. Regarde. Encore une. La machine contrôle un système d'injection de stimulants, d'hormones. Ou autre chose. Il va y avoir un son. Chose que moi. Une navette à ordures. C'est le signal de largage. Il doit y avoir une décharge tout près. Le tampon des pompiers. Ceux du sud de la ville. Parfait. Je vois Randy nulle part. Le terminal contrôle les enclos. Il doit y avoir une autre console pour les mines et les tourelles quelque part. Le symbole sur le modèle de ferme indique que c'est Petrochem. Où est-ce que tu vas, Mike ?
Hé, hey, les tours illuminées. Elles font la pub de l'album d'Askrax sorti à l'époque. Elles changeaient de couleur toutes les heures. Je crois qu'on a tout vu dans celle-là. Bon, qu'est-ce qu'on a appris au juste ? On sait qu'Aris vit toujours près d'une vieille école qui est maintenant sous l'eau. On voit les toits de Night City et les tours des Askrax depuis la ferme. On était tout à l'heure avec... kilomètres. Et on sait aussi que la ferme est située près d'une décharge. Moi, je sais où c'est. Le code d'expédition sur le jeu que Randy a reçu d'Aris mène au Badlands. L'IP d'Aris le situe en dehors de Night City, dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres. Les tours de promo pour l'album d'Askrax changent de couleur régulièrement, toutes les heures. On sait donc l'heure. 11h du soir. Ouais, ce qui situe la ferme à l'est de la ville. Au sud-est, exactement. Le tampon sur le certificat du NCFD correspond à la région sud. C'est un modèle de ferme conçu par Petrochem, alors ça élimine les autres. Ce qui réduit les recherches à la ferme Edgewood, c'est forcément là. Alors, on l'a trouvé ? J'espère juste que j'ai pas merdé. Bien, il faut y aller. Surtout, cours pas. Hein. De conduire, non? La vitesse qui conduit. Faut temps de mourir 10 fois. Putain, faites que ça marche. Ça va marcher. T'en as fait plus en 2 jours que le NCPD en plusieurs semaines. C'est pas très dur en même temps, mais bon, t'as raison. Merci, V. Merci pour tout. On va le retrouver, River. Si seulement j'avais su plus tôt ce qu'il ressentait, ce qu'il rongeait. C'est pas ta faute. Je suis son oncle, V, et j'étais pas là pour lui. Putain! C'est pas où je pensais. Ouais, je pensais. Tiens bon, Randy. Je t'en prie, tiens bon. Pas du tout. Tu roules à 2 km/h, quoi. Accroche-toi ! River, c'est la bonne ferme. On l'a trouvée. Je sais. Il faut atteindre la grange, vite! Fais gaffe! Les tourelles sont actives!
impossible d'ouvrir. On doit trouver un autre moyen. De planquer le mec, il est en prison. Bordel, derrière toi. Quoi? T'as pété les câbles, toi. River, amène-toi, vite. V, arrête la machine. Autrement, on pourra pas débrancher Randy. Randy, 10-52, je répète, 10-52 dans une ferme au sud de la ville. Ouais, putain, envoyez une unité. Oui, je vous envoie les coordonnées. Non, plusieurs au moins. Faites vite, bordel. Oh, et faites gaffe aux défenses automatiques sur place. Il y en a pas mal. C'est bon, tout est déconnecté. Examine les autres, ils sont peut-être encore en vie. D'accord. Ça fait déjà plusieurs jours qu'il est mort. On est là pour t'aider. T'es un peu déshydraté, mais tu vas t'en tirer. Mais aide-moi avec Randy. On a réussi, River. Ouais, on a réussi. Mais je peux pas tirer un trait comme ça. Les horreurs que ce salaud a infligées... Je peux pas laisser passer ça. Il est dans le coma, surveillé par la police. Il risque pas de se sauver. Il est toujours en vie. Alors d'une certaine façon, il s'en tire bien. Mais pas pour longtemps. Je vais l'étrangler jusqu'à ce qu'il en crève. River, déconne pas. Ça changera rien. Anthony Harris est plus qu'un bout de viande relié à un respirateur. Pour combien de temps? Il faut qu'il meure.
C'est le seul moyen d'être sûr. Arrête. Tu veux foutre ta vie en l'air pour te venger d'un légume ? Je sais pas. T'as peut-être raison. Mais ça me rend dingue de rien faire. Puis remplace ton œil, ça fait dégueulasse. En fait, River, il y a plein de trucs que tu peux faire. Joss, Randy, les enfants, ils vont avoir besoin de toi comme jamais. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Oublie Harris. Vis sans penser à demain. Mais commence par te reposer. Quand tu pourras à nouveau réfléchir, appelle. On pourra parler. Ouais, j'ai besoin de rester un peu seul, là. Mais je t'appellerai, promis. Hé, hey, on est prêts à les évacuer. Vous nous accompagnez ? Merci, V. Sincèrement, j'aurais pas réussi sans toi. Y a pas de quoi. On reste en contact. T'as vu un truc pareil, toi ? Ça fait 8 ans que je suis dans la police. Mais c'est de loin le truc le plus tordu que j'ai vu. Pas de son, c'est normal. Ici au camp. Je veux qu'une patrouille Harvey, t'es là. Qu'est-ce qu'il fout ici? Je t'ai interdit d'approcher de ce convoi de Militech, alors du coup tu l'as appelé. Pour pouvoir agir dans mon dos, c'est ça?
Bah ouais, exactement. C'est pour ça que j'ai dit à V de se pointer. J'ai pas la moindre idée de ce qui se passe ici. Putain de merde, Saul. T'es pas sérieux? Tu vas vraiment laisser ce basilisque nous filer entre les doigts? Bah ouais. Une occasion pareille. Une occasion de quoi? De foutre en l'air le boulot qu'on est venu faire. Les choses ont bien changé pendant mon absence. Non, rien n'a changé du tout. Les gens de chez Biotechnica seront là dans une heure. Essayez de pas faire de nouvelles conneries d'ici là. J'y crois pas. Et il s'en va, et il est content, et tout va bien. Je croyais que le contrat avec Biotechnica était mort et enterré. Saul insiste pour qu'on aille jusqu'au bout. Pour prouver que les Aldecaldos tiennent parole. Et la protection des cultures, bien sûr, personne n'en a rien à branler. Tout ce que Saul va réussir à prouver, c'est qu'une corpo peut nous marcher sur la gueule. Et nous, on leur dira merci. C'est quoi cette histoire de basilisque? C'est un Panzer cargo blindé de Militech. Un vieux zinc des années 2060. Ils veulent l'envoyer dans un pays pauvre. Un endroit où ils pourront encore le faire passer pour une tech ultra-moderne. Le convoi de Militech passera par la 101. Juste sous notre nez. Ça serait con de pas leur dire bonjour. Laisse-moi deviner, c'est ton idée, tout ça? Comment t'as deviné? Saul aurait pas les nerfs à ce point, autrement. Je crois que V a raison. Si l'idée était venue de lui, Saul dirait que c'est le plan le plus génial de toute l'histoire. C'est pas du tout le genre de Saul. C'est juste un lâche. Il préfère rester prudent et attendre une bonne occasion. Pour la famille. Ce basilisque, il vaut le coup de te friter encore avec Saul? Ouais. Un engin comme ça, ça nous permettrait de nous remettre en selle. La famille part en vrille. Si on conclut ce deal à Biotechnica, personne ne nous prendra plus jamais au sérieux. Ok. Donc vous voulez agir dans le dos de Saul. Et c'est pour ça que tu m'as fait venir. Cassidy, Ted, Carol, Bob, ils sont partants eux aussi. Pourquoi Saul se fout en rogne à cause de ce basilisque? Il a peur que Militech nous massacre si on attaque ce convoi. Il croit que c'est plus sûr de baisser son froc devant les corpos. Comme Biotechnica. C'te blague. Et vous, les gars, vous voulez... On voudrait revenir à ce qu'on sait faire de mieux. La logistique. La contrebande, donc. C'est ce que j'ai dit, ouais. Je croyais que vous aviez fini par vous entendre, Saul et toi. Moi aussi. Mais faut croire qu'on s'entend que quand quelqu'un essaie de nous tuer. Justement. Tu lui as sauvé la peau. Tu veux à nouveau tout foutre en l'air? Je lui ai peut-être sauvé la peau, mais lui, il continue d'ignorer tout ce que je dis. Alors je crois qu'on est dans un cercle vicieux. Vous comptez le piquer comment, ce basilisque? Merci, V. J'ai pas encore dit que j'allais vous aider. Ok, allons parler avec les autres. Bon, à part les quatre vétérans... Personne d'autre marche dans ce plan? On n'a pas pris la peine de demander aux autres. Il y avait le risque que quelqu'un crache le morceau à Saul. En plus, il n'y a que les vétérans qui comprennent ce qu'un basilisque nous apporterait. Ça m'a l'air salement risqué. Eh non! Ça va être tranquille. Il n'y aura quasiment pas de sécurité pour protéger le convoi. En plus, on fera une bonne action pour préserver la paix dans le monde. Hein? Pourquoi on laisserait ce monstre servir d'arme dans une guéguerre du tiers-monde? On en fera un bien meilleur usage, ici, en Amérique. Alors, t'as retenté le coup avec Saul? Ça a pas marché? Non. Bon, écoutez-moi tous. Militech va transporter le basilisque en pièces détachées, réparties dans deux camions. Attends, t'aurais pas la voix qui tremble un peu? Oh, ta gueule! Le convoi va s'arrêter au passage à niveau sur la 101. On les attaque par derrière et on fout le camp très vite. Des questions, des commentaires? Beau boulot, ma belle. Super concis. Je sais que Panam est en froid avec Saul. Mais vous? Il y a quelques années, l'idée de bosser avec les corpos nous aurait même pas effleuré. Mais pour se faire un nom, il nous faut du bon matos et de bons contrats. Et Saul se rendrait compte s'il avait pas la tête enfoncée dans le cul jusqu'aux épaules. Ok, je marche. Ok, merci. On va d'abord aller jusqu'à la gare. On y trouvera la loco qu'il nous faut pour bloquer le convoi. Tu viens avec nous ou on se rejoint là-bas?
Je viens avec vous. Super. En route. Je peux entendre un léger tremblement dans ta voix. Mais non. Allez, je parie que t'as les mains moites aussi. Je t'emmerde. T'es sûr que t'as pas laissé de traces? Militech va rien remarquer. Tu serais pas en train de m'insulter par hasard, Bobby? Ça va, ça va. J'ai rien dit. Ma voiture, ma moto. On est sérieux, quoi, les gars. En route. Oula. Personne va remarquer que t'as disparu au camp. Sol a aucune envie de nous voir là-bas, de toute façon. Monsieur veut faire bonne impression sur les costards de Biotechnica. Ça aiderait pas que vous fassiez la tronche. Ouais, ça c'est clair. Pour les Raffen, t'en dis quoi? Ils vont causer des ennuis? C'est ce que pense Saul. Il a posté des sentinelles un peu partout autour du camp. C'est pas une bonne chose? Il s'y prend mal, il continue de combattre les symptômes au lieu de combattre la maladie. La vie à Night City, ça te manque pas? Parfois, peut-être. Ce qui me manque, c'est l'impression de liberté, de prendre un nouveau départ. Mais j'ai pas non plus oublié cette sensation de vide. Le sentiment que rien n'a de sens si on est seul. Pour moi aussi, ça a été dur de quitter ma famille. Mais j'ai jamais été complètement seul non plus. T'avais quelqu'un? Un pote. Un vrai. Il s'appelait Jackie. Je pense sincèrement qu'il t'aurait plu. Jackie. Je m'en souviendrai. On y est. Sacré morceau. Si tu l'aimes tant que ça, on pourrait peut-être le détourner à la place. Et laisser le basilisque poursuivre sa route. Ouais. Après, on pourra faire des allers-retours jusqu'à la 101. Je suis sûr que Saul serait fou de joie. On est prêt? Bon, le convoi de Militech doit faire le trajet depuis Night City jusqu'à une base où l'acheteur les attend. On va arrêter le convoi au passage à niveau. Il suffira juste de lui barrer la route avec notre nouvel ami. V, t'as des questions? On dirait qu'il y a pas mal de gares abandonnées dans le coin. Celle-là, elle appartenait à une corpo qui gérait une cimenterie. Elle était utilisée comme point de chargement. Ils ont pas emporté la locomotive en partant? Cette loco est là depuis 40 ans. Depuis l'époque du mur noir. On a un temps. Tout le monde a dû fonctionner à l'ancienne. La loco tournait au nucléaire. Comme les sous-marins. C'est encore plus bizarre qu'ils l'aient laissée alors. C'est ça les corpos. Elle a dû finir dans un dossier optimisation des coûts. La tech est pas récente, Carole va la pirater. Et après, il faudra que je dégote une autorisation de la tour de contrôle pour le déplacer. Elle a l'air abandonnée, la tour. On va s'occuper de ça. Madame et toi, chopez-nous juste le code d'autorisation. Ok, on se met au boulot. D'aide? Bah oui, tu vois bien. Mais à ta place, je chercherai un autre moyen d'entrer. J'arrive.
Même si on réussit notre coup, Saul sera furax. Je vois déjà sa tête d'ici. Bravo! Merci, les gars. Les gardes échangent. Ouais, c'est ça. Quand on les voit de dessus, on se sent... libre ? Comme si on avait le choix entre 1000 destinations d'un coup. Je dirais plutôt... au petit boost. Écoutez... Ok, on y est. Carole ! On doit chercher quoi ? Des cartes perforées. Des cartes quoi ? Des cartes rectangulaires, avec des rangées de trous. Tu peux m'aider à chercher ? Pas de soucis. Pas ici. C'est pas ici. Bon, qu'est-ce qu'on attend là? Ils étaient cartes ferrées, je pense. Et où elle? Tiens, tiens. J'en ai une. Bien joué. Carole ! On a une carte ! On fait quoi maintenant ? Il faut la mettre dans le lecteur. Bon, V ! La carte! Dans le lecteur! Bah, c'est bon, quoi! Calmos! C'est moi qui ai tout trouvé! Croisons les doigts. Ça a marché! Viens voir! On va pouvoir jouer au petit train. Ah, maman, faut que je te parle. V, est-ce que je te dérange ? Tu m'as terriblement manqué. Oh, ça veut dire... Allez. Attends, on se parle pas comme ça d'habitude. Il y a toujours une première fois. Ok. Continue. Ou pas. Écoute, V, je crois que je sais où ça va nous mener. Et c'est pas ce que tu veux ? Non, c'est pas ça. Je voulais aussi qu'on en parle, mais... pas de manière aussi directe. J'allais faire des détours, tâter le terrain... et puis retourner le planquer dans ma coquille. Ouais, c'est toi qui m'as sauté dessus au premier coup, hein.
Il était super, ton plan. Qu'est-ce qu'il y a déconné? On dirait que t'as vu clair dans mon jeu. Je savais pas comment t'allais réagir. T'es pas la seule à tâtonner, tu sais. J'ai vraiment pas envie de tout gâcher. Bah, ben, c'est un début. Allez. Le truc, c'est que j'ai tendance à agir sans réfléchir. J'avais remarqué. Je sais. Mais j'ai besoin d'une pulsion qui me pousse à faire les choses. Quand j'agis spontanément, j'ai l'impression d'être honnête. Mais avec toi, je préfère pas prendre de risques. Pourquoi c'est différent avec moi? Parce que je tiens vraiment à toi. Mais j'ai peur de dire ou de faire un truc stupide et de me retrouver seule dans le désert. Je préfère qu'on reste proches. Au moins, comme des amis. La prochaine fois, essaie de suivre tes pulsions. Ok. Bon, en tout cas, je t'aurais prévenu. Viens, on va rejoindre les autres. C'est ultra rapide. Le convoi, vous le surveillez, je suppose? Ouais, Carole se branche sur leur communication de temps en temps. Tout se passe comme prévu. Pour l'instant. T'as vu Panam? C'est vite difficile. Respire un coup. T'inquiète pas, tout est sous contrôle. Le convoi vient déjà vers nous. T'es inquiète à cause de Saul ? La nuit va pas tomber tout de suite. On pourrait rejeter un coup d'œil à la bagnole. C'est une heure qui joue. On commence à voir les étoiles. Il reste que quelques heures avant la tombée de la nuit. T'as l'air terrifié. Comme si t'étais la première personne à tenir tête à Saul. Ah, oh, garde ta salive, j'ai pas besoin qu'on me réconforte. Ah, oh, c'était quelqu'un que je connais. Que t'as connu, Scorpion. Il est rentré de la guerre, la tête farcie de nouvelles idées, et avec plein de nouveaux contacts. Il a voulu pousser Saul à nous rapprocher des Snake Nation. Il disait que ça nous rendrait plus forts. Je crois qu'il m'en a jamais parlé. Et Saul, qu'est-ce qu'il a fait ? Saul l'a remis à sa place en lui disant de pas créer de tension dans la famille. Putain, il lui a pas confié de boulot pendant un an. Super, merci pour le réconfort. T'as dit toi-même que t'en avais pas besoin. Saul a eu raison pour les Snake Nation. Il vaut mieux garder votre indépendance. Autrement, vous pourriez finir comme... Ouais, comme les backers. Mmh.
On se débrouillera très bien tout seul. Tout ce qu'il nous faut, c'est juste quelques bons boulots. Et après, les gens se remettront à parler des Aldes Caldos. Yes. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Scorpion serait fier de nous. Vous parlez pas beaucoup de la guerre ? Pour dire quoi ? Ils nous foutaient juste dans un Panzer au Mexique, et ils nous disaient « c'est tout droit ». Après, on passait des semaines à parler tout seul, ou même à l'IA embarqué, en buvant des litres de iodure parce que le compteur Gégère voulait pas fermer sa gueule. Mm-hmm. J'ai le cul couvert de boutons, rien qu'à l'idée de m'asseoir dans ce cercueil brûlant. Ouais ? Mais vous avez tous hâte de carrer votre cul dans le basilisque, non ? Pas pareil. Ça a rien à voir. Tu comprendras quand tu seras dedans. On devrait porter un toast à Scorpion. À Scorpion ! Il y a plus de bugs graphiques vers la fin du jeu. Et à Jackie. Pas. Ou une bière. Il y a pour la bouteille ou quoi ? Alors, elle va faire. Bonne vide. Je vais essayer de dormir un peu. Ok, le convoi va mettre un moment pour arriver jusqu'ici. Ça s'est bien rafraîchi. Allez. Pas vraiment, mais c'est gentil. Tu veux venir te reposer avec moi ? Je vais juste m'allonger un peu près de toi. Regarder les étoiles. C'est une autre de tes spécialités ? Genre... T'as aussi des cartes du ciel en rayon. Bien sûr. Tu vois la grande casserole ? Avec la petite étoile qui scintille à droite. C'est nuageux, on voit rien. N'importe quoi. Ouais... Tu la vois ? Oh, bah merde, ça veut dire qu'elle a vraiment une fuite. Bonne nuit, V. Eh ben, j'en profite pour faire une petite pause. Tout le monde est prêt ? Profitez pour faire une petite pause de 5 minutes. J'arrive.
Allez, go. C'est parti. On va aller capturer ce basique. On y va, V. Tu crois que je fais là? Ah, il y a le trou. Je suis quoi? On cercle les dés qui seront arrêtés. Même pas utilisé, mais... Voilà. C'est sérieux, là. Je te l'avais dit.
crois qu'ils vont pas nous voir avec des satellites, on est vraiment trop proches. Comment ça va, V? T'as pris ton pied? Un peu, ouais. T'as de la chance, c'est pas toi qui vas devoir remonter ce tas de ferraille. C'est Mitch et Teddy qui vont s'amuser maintenant. Le canal de Minitech. Les costards ont fini par se rendre compte qu'on les écoutait et ils ont changé les codes. Pile au bon moment, je trouve. C'est très malin d'attaquer un convoi. Et c'est parti. C'est pas très... C'est quoi ce bordel? Exactement ce que tu vois. Le basilisque. Tout ce que je vois, c'est deux camions avec d'énormes logos Militech. Et puis Tapanam, on les repère à des kilomètres. Tu crois qu'on n'a pas déjà assez de problèmes sur les bras? Les Raffens pourraient nous tomber dessus à tout moment. Et maintenant, on va aussi avoir Militech au cul. Ça suffit, putain! Tu fermes ta gueule, maintenant! T'as envie de lécher le cul des corpos toute ta vie? Très bien, bah vas-y! Alors dans ce cas, on laissera le basilisque en souvenir de ce qu'était cette famille. Ou sinon, tu sais quoi? La prochaine fois qu'on se fera attaquer, on pourra riposter! Quand j'en aurai fini avec Biotechnica, on organisera une réunion de famille pour parler de ça. Et de toi. En attendant, je veux plus voir ces camions. Et le basilisque? On peut l'assembler? Fais ce que tu veux, mais disparais de ma vue. Bob, Mitch, faites le tour avec les camions. Il faut les décharger. D'accord. Mais on en fait quoi après? Oh, j'ai une idée pour ça. T'as de sacrés poumons, dis-moi. Merci. La dernière fois que j'ai crié comme ça, ça doit remonter à mes 10 ans. Eh ben, t'as pas à t'en faire pour ta voix. Est-ce que ça va? Ouais, évidemment. Mais braquer le convoi, c'était quand même bien plus sympa. Je crois que ta famille te soutient sur ce coup. Bien sûr. Qu'est-ce qui te donne cette impression? Personne n'a dit un mot. Ils étaient tous à baver en regardant le basilisque. T'offres un Panzer à des nomades? C'était gagné d'avance. On verra. Si jamais t'as besoin de moi, tu m'appelles et je viens. Mais... bien sûr que j'aurai besoin de toi. Alors attends-toi ce que j'appelle. J'attendrai. Prends soin de toi. Bon. La banque de données de Sandra. Je vais faire ça, je sais pas ce que c'est. Et que je vais faire tout de suite. Tous les éclats que j'aurais pas lu.
Mais s'il y a une piquette cachée quelque part. De toute façon, c'est fini. Voilà! On va tout lire là, parce qu'il y en a beaucoup de trop. Les nomades pour les nuls. T'avais pas vu ça. De tout lire au fur et à mesure, mais c'est pas toujours évident quand. Voilà. Je suis en zone hostile. Ok. Regardez s'il n'y a pas. Déjà, pourquoi je ne l'ai pas revendu celui-là ? Ah non. Oh non, ça c'est non. On a récupéré deux là. Vendable. On a 20 000 balles, tu parles que c'est vendable. Sinon je suis pas prêt. Je crois pas ce qu'elle met. De me faire tourner en rond. Hein. Thank you.
fouiller, attends, j'y suis. V. C'est V, c'est ça? Vous avez trouvé la banque de données? Vous perdez pas de temps, hein. Devinez où je l'ai trouvé. Dans une planque de Désos. La fille qu'on a sauvée au début du jeu. Vous êtes là? Oui, mais depuis qu'on m'a raconté ce qui s'était passé, je peux pas m'empêcher de les imaginer. Je me doutais qu'il l'avait, mais... Enfin, j'allais pas me lancer à sa recherche toute seule après... J'arrête pas de me dire que c'est fini, que ceux qui m'ont enlevé sont morts. Avec la Trauma Team Platine, vous êtes entre de bonnes mains. Je suis sûr qu'ils ont déjà corrigé le problème du brouilleur de signal. C'est vrai. Mais qui sait ce que les désosseurs feront la prochaine fois? Enfin, c'est de l'histoire ancienne. J'ai d'autres affaires à régler. Vous voulez qu'on en parle? Ce n'est rien. Apportez la banque de données à mon appartement. Je vous envoie l'adresse. Merci. De 55, mais j'ai pas de 9 derrière. Pas de theta. Cap 55. Les points de 55. Sandra, c'est moi, V. J'ai votre banque de données. Sandra, vous êtes là? Vous êtes seule? Vous n'avez pas été suivie? Vous voyez quelqu'un d'autre? Entrez. J'aime pas laisser la porte ouverte. Vous pensez encore aux Désos? Mon ami m'a dit que votre mémoire avait été nettoyée. Les Désosseurs? Non, ce qui m'inquiète, c'est... Bon, peu importe. Vous avez la banque de données? Qu'est-ce qui vous inquiète si c'est pas les Désos? Écoutez, je vous paie pas pour que vous me posiez des questions personnelles. Eh, c'est vous qui avez lancé le sujet. Et puis, je vous ai sauvé la vie, non?
Et on vous a payé. Ne me faites pas croire que c'était autre chose qu'un petit boulot pour vous. Bien. Vous avez la banque de données ? Tenez, ça commence à être louche. Vous en faites pas, elle est intacte. Quand les gens disent de pas s'en faire, c'est généralement qu'ils cachent quelque chose. Vous avez pas regardé ce qu'elle contenait par hasard, hein ? Non, ma répute vaut plus que quelques octets de données. C'est amusant que vous disiez ça. Parce qu'il y a peu, le signal GPS de la banque de données s'est activé. Ce qui peut vouloir dire qu'une chose. Quelqu'un l'a mise en route et l'a utilisée. Ok, vous m'avez eu. J'ai regardé dedans. Je sais tout. Je m'en doutais. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire ? Vous félicitez, bien sûr. Quiconque pirate Night Corp a droit à mon respect. Oh, eh bien, merci. Vous savez, s'ils mettent leur plan à exécution... Ils pourront contrôler tout et tout le monde. Vous aviez peur qu'ils me suivent, que je les mène jusqu'à vous. Exactement. Night Corp a une sécurité premios. Impossible d'uploader, genre Blackout ou Fireshaft. Vous avez dû coder des démons bien vénères ? Vous les avez zippés sur un imp ? Oui. Léviathan. Même Cerberus suffit pas quand on veut briser ce genre de glace corpo. Utiliser des IA fortes pour conditionner l'esprit des employés... Un vrai truc de super vilain, ça. L'esprit de n'importe qui, en fait. C'est encore plus effrayant. Vous avez été d'une aide précieuse. Tenez. J'ajoute un petit extra. Entre runners. C'est bon de savoir que je suis pas seule dans ce combat. Merci. À une prochaine. Indiquant que la panne résultait d'une maintenance standard. Retrouvez-nous pour la suite de cette édition locale après la pause. C'est quoi, des chaises ? Ok. Téléporte avant quoi. Hasard, non. La carte à traverser.
J'aurais pu faire les deux cartes de tarot là vite fait. J'aurais mieux fait de passer par les champs. Maman de vérité. C'est parti. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu reconnais pas ? Branchesi, 2021. Sans titre, numéro 18. Huile sur toile. Autant emmener un singe au musée. Tiens donc, qui aurait cru que Johnny Silverhand était un amateur d'art ? C'est pas moi. C'est une de mes ex. Elle était peintre. Une vraie tarée.
Mais alors, niveau cul, je te raconte même pas le délire. Ne dis rien, ça ira, je te remercie. Mais qu'est-ce que ce truc foutait sur la Lune? Ça devait décorer la station orbitale d'un connard plein aux as. La moitié du Louvre se balade dans l'espace. T'y es déjà allé? Avec les trois ronds que je me faisais en gueulant dans un micro? Mais bien sûr. Allez, on fout le camp avant que ça dégénère. Et pour cette peinture, des tas de gens se bousculeront pour l'acheter. Je commence à plus avoir de quête, dis donc. On va revenir de toute façon. Bon, c'est leur quête, hein. Les meilleures quêtes du jeu. J'avance, plus que le jeu commence à bugger. Et moi je vais faire une pause là parce que je suis fatigué. Hop, ça prend ça va être un petit live. Hop. Je reprendrai sûrement un peu plus tard. De toute façon, au pire, je recommencerai demain matin. Là, j'ai envie de faire une pause.